Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la sortie de la messe de la Saint-Pierre à C. Nous sommes à C en Savoie, dans les Alpes du Nord, où va avoir lieu la sortie de la messe avec un cortège, une grande fête à C. Donc nous sommes au Haut Tarentaise pour une fête magnifique. Un petit peu, donc des costumes magnifiques. On va avancer un petit peu pour voir tous ces gens. Là, on a un très très beau. Et on va laisser sortir très très beau costume. Regardez ici. De très beaux costumes folkloriques. Et ici, encore un groupe. Voilà. Voilà Christian, que tout le monde connaît à la place du village. Et on est parti pour la musique. Alors merci à tous, à ceux qui arrivent maintenant. Donc nous sommes à C, en Savoie, dans les Alpes du Nord, en Haute-Tarentaise. À Haute-Tarentaise, et nous sommes, donc c'est la sortie de la messe maintenant avec un groupe folklorique. Alors ça c'est le groupe Courmayeur qui va interpréter différentes des musiques en très très peu de temps. Ça devrait être, comme m'avait dit, pour 11h. Ça devrait pas être loin, et on va voir la sortie de la messe maintenant. Et de la musique. Alors, apparemment, la messe n'est pas terminée, donc les gens ne sortent pas tout de suite. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Les costumes sont magnifiques. Regardez un petit peu. Alors. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de la place du village. Bah c'est gentil. On va passer une super journée pour la Saint-Pierre ici à C dans mon village natal. Et un petit coup de musique pour nous mettre de l'ambiance déjà. Non, la messe n'est pas terminée. Elle termine à quelle heure la messe? Et dans 5 minutes. Ah, et alors, donc, j'espère que tout le monde va rester. J'ai le plaisir de jouer avec mes amis valdotins. Mm-hmm. Voilà, une petite piémontésine pour agrémenter la sortie de la messe d'ici 10 minutes. On a 10 minutes, ça va être long pour regarder tout le monde en direct. Mais non, ça actuellement, va bien. Allez, soyez patients. On vient de nous dire que dans 5-10 minutes, la messe est terminée. Je ne peux pas rentrer dans l'église, mais apparemment, il semblerait qu'il n'y ait plus pour très longtemps. Alors, on va regarder un peu. Alors, j'ai Philippe qui nous dit bis à Christophe. Alors, je retourne vers Christophe, donc voilà, bis à Christophe, de la part Philippe. Il est là en ligne, Philippe. Ah, salut. Hey, salut Philippe, comment tu vas? Tu aurais pu venir quand même avec nous aujourd'hui, passer un moment agréable. Regarde, on a la déchirée du ciel, là, c'est grand bleu. Et tu vas nous manquer pour la journée de la Saint-Pierre ici, la fête du village. Là. Voilà. Il la suit en direct, il m'a promis. Tu suis en direct, t'as intérêt là. Voilà. Avec les accordéonistes, la musique, des chants valdotins. Voilà, des frontières aussi qui vont évoluer en dansant là sur la place. Donc écoute Philippe, je t'embrasse très très fort et je te fais des gros bisous. Et alors, puis à tout à l'heure. Merci alors, merci à Christophe. Qu'est-ce qu'il nous dit? On le reverra bientôt. Voilà. Yes, hein. Et là ici on a Mike, le photographe attitré. Maintenant les gens qui commencent à sortir de l'église. Regardez, les costumes sont magnifiques. Tous ces costumes donc du Val d'Oste. Exactement. De quelle région ils sont? Vous êtes de Courmayeur? De Courmayeur. Voilà. Ouais. Eh ben, Courmayeur est meilleur. Courmayeur. Courmayeur est meilleur. Ah, ouais. C'est super. Écoutez, nous on est en direct hein, pour l'instant sur la place du village. J'ai beaucoup de monde qui commence à venir. On a quelqu'un de Cognac qui nous écrit. On a Bob qui est de Cognac qui nous suit toujours en direct. Et on attend avec impatience la sortie de la messe pour avoir de la musique. C'est magnifique ça. Oui, justement, on demandait l'explication des banderoles. Et là, c'est toutes les femmes qui ont été mariées. Donc elles sont toutes mises là. Toutes les femmes qui ont été mariées, donc, voilà. Et ça, c'est la ceinture. Voilà, c'est la ceinture. Ah, donc. Donc, j'aurais demandé l'explication. On se marie beaucoup, donc chaque banderole ici représente une femme qui a été mariée. Donc, il y en a quand même déjà. Il y en a déjà quelques-unes. Il y en a quelques-unes, il n'y en a plus beaucoup à prendre, quoi, je veux dire. Alors, on me dit beau costume, c'est Dominique qui nous écrit. On a Nicole, qui est super beau, de Belgique, qui nous écrit de Belgique. On attend le curé est un petit peu en retard, apparemment, ça n'a pas commencé. On n'a pas de musique, malheureusement, mais restez quand même en ligne.
ça ne va pas tarder, on va voir un très très beau cortège. On a aussi quelqu'un, c'est Maria qui nous suit du Portugal. Alors beaucoup beaucoup de monde en ligne. Allez, allez, il y a Christophe à nous jouer trois notes là. Ça va faire sortir. On attend la sortie de la messe là. Ah, il attend, il veut pas nous laisser. C'est une petite piémontésine. Ah, à l'italienne. Allez, à tout de suite, hein, on va rester en ligne. On a quand même beaucoup de monde qui nous suit, heureusement, qui ne nous quitte pas. Je ne peux pas rentrer. Où est-ce qu'ils en sont? Ah, apparemment. Alors, le curé a quitté. Il semblerait que c'est terminé. On va attendre encore un petit peu. Alors, je vais aller faire un petit peu le tour. On a des costumes magnifiques ici. On peut regarder ces beaux costumes. On est en direct hein, sur la place du village. Ah, non, il faut bien parler. Pardon ? Il faut bien parler. Mais on parle toujours bien. Un patois, vous me le dites ? Qui est-ce qui nous parle patois ? Je vais dire bonjour en patois. Bonjour à la place du village en patois. On est en direct sur la place du village. Comment on dit bonjour en patois? Bonjour. Oh, c'est bon. Comment va-t-on? On s'en va pas. Alors, on va voir des retours. Hein. Alors là, j'ai des gens, il y a des Portugal, la Belgique, la Côte d'Or qui nous suivent dans Grand France. On a quand même des Français qui nous suivent. Alors, on va continuer. On attend avec impatience que le curé ait terminé l'office. Et c'est vous qui allez jouer du violon. Vous n'avez pas le droit d'attaquer avant que... C'est le curé qui donne... Autrefois, c'était interdit le violon à l'église. Mais le curé donne le la, c'est lui qui donne le la. Oui. Le violon était interdit autrefois à l'église. Pourquoi ? Ah, ça sort. Parce que le violon, c'est un amusement. Et on ne fait pas d'amusement à l'église. Ah, il y a eu des temps qui étaient durs alors. Vous voyez ? À tout de suite. On va se retrouver. Donc, c'est la sortie de l'église, ben voilà. Donc, la sortie de Saint-Pierre avec les costumes. Ça y est, donc l'église, la sortie de l'église avec les groupes folkloriques. Alors, toutes les frontières qui sortent de l'église, c'est très très beau. Principal de C. Nous sommes à C en Savoie, dans les Alpes du Nord. Je vois un monsieur ici qui est impatient de sortir le violon. Ça va aller. Oui, on va aller. Sortir le violon. Oui. On va écouter alors. On va faire une petite prestation tout à l'heure. Ah oui, ouais, oui, merci. Excusez-moi. Marche arrière, c'est pour ça que ça ne va pas. On va regarder partout ce cortège qui est magnifique.
Alors, magnifique cortège qui va se retrouver donc. On va se retrouver sur la place principale de C. Saint-Pierre et Saint-Paul. Tout le monde est représenté et le prêtre qui est officier donc est au milieu. Alors je vais essayer de trouver une place si je peux avoir une vue d'ensemble de tout ça. Johan, bonjour, je vois que tu me dis bonjour, un bonjour Alain Julien, magnifique vidéo. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup. Un peu si c'est joli, pour tous les costumes arrivent, tous les costumes folkloriques arrivent. J'essaie de trouver une place. Bonjour Télio. Les costumes sont magnifiques. Fabien, Fabien. On est en direct sur la place du village. Qui est-ce qui me dit quelques mots? Personne. Oh là là, les timides, on les voit, les timides. Personne ne veut parler. Allez. Ah, on va voir le violon qui va démarrer. On va retourner près des instruments. Alors il y a beaucoup d'animation en C, donc on est à C dans les Alpes du Nord. Je vais vous expliquer. On est en direct sur la place du village. Alors on va regarder passer tous ces jeunes gens. Tout va bien. Alors on va essayer d'aller plus loin puisque je crois qu'il va y avoir. On va avoir droit à un message. Alors je ne parle pas un message de groupe, chanteur. Regardez s'ils sont sympas les deux là. Ah, il ne veut plus jouer, c'est fini, tout à l'heure. Alors, il va y avoir une manifestation maintenant qui va démarrer. On a notre ami Mike, qui est le photographe officiel de C. On va essayer de se mettre ici pour regarder. Alors, je prends les balais. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah ben, j'ai quelqu'un de l'organisation à côté de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc... Le groupe des frontières donc, vient donc sur le podium et donc nous allons procéder donc à l'inauguration de cette deuxième Saint-Pierre, on va dire New Look. Alors on a en face de nous tout le groupe d'animation donc de C, on les voit très très bien. Et il va y avoir l'inauguration maintenant de cette magnifique fête de la Saint-Pierre à C en Savoie, donc en Savoie dans les Alpes du Nord, en Haute-Tarentaise. On est bien en Haute-Tarentaise. Hein. Exactement. Exactement, on me dit. C'est une jeune âme à côté de moi qui est de C d'ailleurs, qui fait partie du groupe d'animation. Et voilà, donc tout le monde va s'approcher. Apparemment, il va y avoir une coupe de bois. Je ne sais pas si on va avoir droit à cette coupe de bois maintenant. Je ne sais pas s'il y a tant du monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de micros. Assez impressionnant quand même, hein, les micros. Il y a beaucoup de monde qui vient. Alors, il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, qui est ce matin assez. Donc, la fête va durer toute la journée avec un défilé de phares. De char cet après-midi. Ça y est. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, nous allons donc procéder à l'inauguration de cette deuxième Saint-Pierre, on va dire New Look, puisque après 20 ans de, voilà, 20 ans d'arrêt, eh bien, le comité des fêtes de C a eu la bonne et l'excellente idée
de reprendre cette tradition. Donc, je vais laisser donc la parole tout de suite à Mathilda Tétu, la présidente du comité des fêtes de C. Mathilda, si tu veux bien. Alors, c'est une jeune présidente donc, qui a repris le flambeau du groupe d'animation de C. Beaucoup de jeunes, comme vous le voyez, ce sont tous des jeunes qui ont repris ce groupe d'animation. Bonjour à tous et bienvenue sur la seconde édition de la Saint-Pierre depuis sa reprise. Le comité des fêtes est très fier de reprendre cette fête et davantage suite au beau succès de l'année dernière. La préparation de cette journée demande énormément d'investissement en amont et c'est pourquoi je voudrais dans un premier temps remercier l'ensemble des membres de l'association ainsi que les bénévoles sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Je pense qu'on peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Aussi, nous avons reçu énormément de soutien de la part des commerçants, artisans, entreprises de C et des alentours. C'est pourquoi le comité les remercie beaucoup pour leurs généreux dons. Grâce à eux, nous pourrons proposer une tombola exceptionnelle avec plus de 6000 euros de lot. Alors on attend maintenant puisqu'il y a un nouveau début. Nous tenons également à remercier la mairie de C ainsi que les communes de Montvalzon, Villarosé, Lagune et Bourg-Saint-Maurice pour leur soutien et leur aide. C'est exact d'après. Et il nous reste maintenant à vous remercier tous d'avoir répondu présent à cette belle fête de notre village de C. Je laisse maintenant place à l'inauguration de cette fête avec ce qui va devenir l'emblème de la Saint-Pierre, à savoir le passe d'or. Et je vais laisser Eric vous expliquer tout ça. Oui, merci Mathilda. Eh bien écoutez, voilà, c'est très simple. Vous avez ici un magnifique tronc d'arbre, comme vous pouvez le voir. Et ce passe d'or, eh bien ça va être un passe qui va se transmettre d'année en année. Alors c'est très simple, il va falloir faire une rondelle. Alors nous allons avoir deux bûcherons avec le passe-partout qui vont se munir du passe-partout et faire une rondelle. Et il va y avoir un temps chronométré. Voilà, ça va être chronométré. Et le temps de référence, ça va être le temps de nos deux bûcherons qui vont mettre le temps à mettre pour faire cette rondelle. Et tout au long de la journée, alors on ne va pas la laisser ici, bien entendu, on va la laisser ailleurs. Et toute la journée, eh bien, vous aurez la possibilité de vous essayer à faire des rondelles avec le passe-partout. Et le meilleur temps, eh bien, sera primé et aura l'heureuse satisfaction de se voir remettre le passe d'or, donc, qu'il aura toute la journée, il est là, le voilà, donc c'est Colin qui le passe, voilà, ce passe d'or, et c'est un magnifique trophée effectué par Bruno Mérindet, et donc ce passe d'or donc, sera transmis chaque année, donc le temps, voilà, du meilleur sillage de bûches, de rondelles, eh bien, sera donc remis chaque année. Et chaque année, eh bien, la paire de bûcherons qui aura donc remporté ce passe d'or remettra en jeu, reviendra l'année suivante pour remettre en jeu et fera donc l'inauguration de la Saint-Pierre et du passe d'or pour mettre en jeu son passe d'or. Voilà. Donc c'est très simple, vous voyez, donc chaque année, voilà. Et donc ce magnifique trophée, donc, par le jeune Mérindet, voilà. Merci Pauline, voilà. Donc maintenant, je vais laisser place à Léo et Tanguy, qui vont aller faire la première rondelle. Nous espérons que vous passerez une belle journée à nos côtés, et encore merci de votre présence. Allez, on peut les encourager. Allez, un tonnerre d'applaudissements et félicitations donc au comité des fêtes, donc de C. Allez, on s'encourage. Parce que sincèrement, là, il y a de la matière. C'est un tronc qui fait à peu près 25-30 cm, à peu près.
et donc le sillage. À noter qu'ils ne faiblissent pas. Hein. Ils sont toujours dans la cadence. Et le secret, c'est ça, c'est la cadence. L'harmonie entre les deux bûcherons. Oh là là, ça y est. Ouais, ils ont trouvé. Allez, allez. Allez, les encourage. Ouais, top. Alors franchement, on peut applaudir, parce que franchement, félicitations les garçons. Hein. Alors le temps à battre, le temps de référence, ça va tant mieux. 1 minute 28. 1 minute 28, ou 88 secondes, comme vous voulez. 1 minute 28, donc le temps à battre. Donc voilà, donc tout au long de la journée, vous aurez la possibilité, eh bien voilà, de faire comme nos deux bûcherons, et d'essayer de battre ces 1 minute 28. Voilà. Et puis, ben, je crois qu'on va, on va enlever nos, notre bûche, hein, c'est ça. Et, alors, belle bûche. Et, et puis donc, place maintenant à nos groupes. Et tout d'abord, le groupe des frontières. Que nous allons avoir le plaisir d'en accueillir sur cette scène. Nous allons avoir maintenant un groupe, donc le groupe des frontières, un groupe folklorique local qui va entrer en scène, on va dire, et on va les écouter pour terminer ensuite ce direct. Merci quand même à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Ça y est, ils sont en place, regardez. Allez, ils sont tous prêts avec le violoneux, donc un violoneux ici. On va essayer de... On a le violoneux qui va enfin interpréter quelque chose. Il ne pouvait pas jouer tout à l'heure, c'était interdit. Et maintenant, on va voir le violoneux. Donc, on reste toujours en direct sur la place du village. Allez, le premier morceau, donc, ce sont les frontières. Alors, ils sont de C, les frontières. C'est de C, les frontières. Pour Saint-Maurice. Que d'un côté, hein, c'est à 6 km. Non, là, c'est Bourg. Là, c'est Bourg. D'accord. Ils sont basés à Bourg. Ah, ben, j'ai deux personnes du coin qui me disent que c'est Bourg-Saint-Maurice. Donc, je me suis trompé. Voilà, place à la danse. Sous applaudissements, les frontières. Et nous sommes issus donc, du berceau en fait, de la Haute-Parenthèse, des villages de C, Montvalisande, Villarangier, Landry. Voilà, et nous représentons donc l'ensemble de ces traditions. En place pour une polka piquée. Thank you.
une badoise. Alors d'autres groupes maintenant vont interpréter, on a toujours les frontières. Je vais mettre un petit peu en hauteur. Merci. Je termine maintenant ce direct. On reprendra tout ça. Excusez-moi. On reprendra tout à l'heure le direct dans l'après-midi puisque la fête continue. On aura un défilé de chars tout à l'heure. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup et bon appétit.